J'ai envie de vous taquiner. Donc, Olga Sobolyova, auteure, conférencière et coach depuis 2004. Aujourd'hui, amincissement. Pour réellement mincir et mincir facilement, il est important d'arrêter le sport. Donc, c'est ça la taquinerie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Arrêter le sport dans le sens arrêter de vouloir faire. Se forcer, avoir une sensation, je dois, il faut que je bouge. Arrêter toute contrainte, comme on a dit dans les vidéos précédentes, de régime et de toute autre chose que vous voulez faire dans il faut, je dois. Pour vous relâcher, vous détendre et commencer petit à petit. De créer une autre dynamique, être à l'écoute de vous, vous respecter et petit à petit découvrir c'est quoi qui me ferait plaisir, c'est quoi que j'ai envie de faire et faire plein de choses positives par envie, j'ai envie. Donc vous connaissez mon histoire des yo-yo de 40 kilos pendant 10 ans. Et c'est pas grâce au sport ni grâce à l'assiette que j'ai minci. Et j'étais aussi, comme beaucoup de personnes que j'accompagne, enfermée dans cette idée, je dois m'inscrire dans la salle de sport, je dois bouger, je dois brûler les calories. J'étais obsédée. Mais c'était vraiment, pour ne pas dire pas facile, mais impossible. Parce que déjà, quand je souffrais de ces yo-yo, quand il y avait trop de kilos, c'est difficile d'aller se bouger, entre guillemets. Mais quand il y avait peu de kilos, pareil, parce que je me sentais en fait mal. Et je peux bien donner des conseils, bouger un peu, commencer par faire juste quelques pas et pas vous faire des objectifs énormes. Ou bien faites un sport qui est respectueux de votre corps si vous êtes en surpoids, comme par exemple la natation. Mais moi-même, je n'arrivais pas à aller dans la piscine parce que j'étais extrêmement mal dans ma peau, complexée, que j'avais 40 de plus. Ou 42 mois, ça veut dire je pesais 54 kilos avec ma taille 1,82 m. Peu importe, je n'arrivais pas à aller à la piscine parce que j'étais mal dans mon maillot, j'arrivais pas à me montrer. Donc voilà, il faut s'en occuper de tout un tas d'autres choses et thématiques avant de parler de l'assiette et de sport ou de mouvement et retrouver un plaisir de bouger comme je peux aujourd'hui ressentir une véritable envie. Envie de sortir, envie d'aller nager, rester une heure en train de faire des allers-retours dans la piscine ou bien vraiment me prendre des trajets où je suis dans le plaisir de marcher, de faire du vélo. Sentir les odeurs des plantes, écouter le vent, rencontrer des gens, leur sourire, parfois échanger. Donc voilà, retrouver un véritable plaisir d'être, de vivre et du coup de faire une activité qui vous fait bouger. Donc voici l'idée, c'est aller nettoyer toute culpabilité, je dois, il faut. Soufflez, enlevez ça de votre tête et commencez petit à petit à être à l'écoute de vous dans le respect et douceur. Et si vous suivez le lien avec les deux cadeaux minceur ou bien allez sur le site olgasoboleva.fr, vous pouvez voir à quoi consiste un programme qu'on prépare. Qu'on propose pour mincir. Mincir avec douceur, mincir durablement, mincir sans régime, mincir sans transpirer et se tuer ou se faire mal physiquement. Mais mincir, mincir avec plaisir parce que vous retrouvez des sensations, vous retrouvez la confiance en vous, bien vous débarrasser de plein de choses qui vous polluent à l'intérieur. Donc voici.
Je vous prie de liker cette vidéo, la partager si vous avez des personnes qui sont un petit peu enfermées dans cette idée « je dois, il faut » ou bien qui cherchent à mincir ou retrouver une santé. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le lien en bas pour recevoir vos cadeaux, vos deux cadeaux minceurs. Et je suis ravie de vous partager des petites étapes clés qui vous amènent vers votre grand objectif. Et l'objectif, c'est en fait le bien-être, le respect et de vivre une vie épanouie dans tous les aspects, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, en amour, en affaires, etc. Donc, likez, partagez, abonnez-vous et suivez le lien qui est en bas et recevez les cadeaux pour en profiter. J'étais ravie de vous parler. À très vite.